Bonjour à tous mes petits pingouins rieurs, aujourd'hui c'est pas vraiment pingouins rieurs, c'est moi Lucas qui a inventé pingouins rieurs parce que c'est un personnage en fait, donc je le joue, je l'écris. Pingouins rieurs c'était surtout quelque chose qui m'amusait, je suis apprenti scénariste et je commence à travailler, notamment avec Eloi Pellé chez Golden Moustache avec qui je développe une série. Voilà, pingouins rieurs me prend quand même un peu de temps, un peu trop de temps, et en fait voilà, en m'exposant, en expliquant un peu les origines de Pingouin Rieur, qui c'était vraiment. Je pense que c'est un peu ma manière de le tuer. De faire en sorte que, voilà, la magie Pingouin Rieur, si on peut appeler ça comme ça, disparaisse et n'existe plus. Pingouin Rieur, en l'état, ça n'existe plus, ça n'existera plus. Et j'espère néanmoins vous retrouver sur d'autres projets. Je peux pas en parler pour l'instant, c'est pas assez concret. Si vous me croyez pas, voilà, bah c'est. On l'a pas vraiment vu. Mais c'est l'appartement dans lequel je vis, en colocation, j'habite pas avec mes parents comme dans les vidéos. Pas assez de coiffure, j'ai des lunettes dans la vraie vie, effectivement je peux me... Non, je peux pas me laisser pousser de barbe, mais au moins j'essaie de faire semblant. Et en tout cas, bah voilà, je vous souhaite une bonne continuation, à bientôt, peut-être sur d'autres projets. Et bah, portez-vous bien mes petits pingouins rieurs. Poisson d'avril, c'était une blague. Vous connaissez la chanson? C'était une blague. Quand je disais que j'allais arrêter YouTube, c'était une blague. Quand je disais que j'étais un personnage, ah bah zut, c'était une blague. Quand je disais que Pingouin Rieur allait mourir, c'était une blague. Squeezie first. Je disais que j'avais pas le temps de faire ça, ah bah zut, c'était une blague. Squeezie first. En vrai, j'ai pas de travail. C'était une blague. Donnez-moi du travail. C'est pas une blague.